Plein de bonnes choses pour nous aussi, peut-être un peu plus de sécurité. Au niveau d'hier, on est quand même bien lotis, mais au niveau de la France. La paix entre tout ça. La paix partout. Une belle expo. Une belle expo qui amène beaucoup de visiteurs comme celle de l'année dernière. L'argent, l'amour. Et enfin plein de bonnes choses. Bonjour à vous tous, avec le conseil municipal, je voudrais, comme chaque année, avec mon épouse aussi Valérie, vous souhaitez du fond du cœur une très bonne année. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est la nation tout entière qui a traversé une épreuve tragique. Nous avons tous été très meurtris par les attaques guerrières dont ont été victimes des journalistes, des policiers, des otages. Quant à notre ville, elle aussi doit savoir faire face, mais heureusement, faire face à d'autres défis qui sont bien moins dramatiques. Le gouvernement a décidé de réduire les subventions aux collectivités locales de près de 12 milliards d'euros par an à partir de 2017, soit 10% de notre budget de fonctionnement en 2017. 3 millions, c'est l'équivalent du salaire et des charges d'une centaine d'employés municipaux. La même pression de l'État s'impose sur l'agglomération du Val-d'Hier. Pour le Val-d'Hier, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire de la communauté d'agglomération en 2015. Nous avons pris des mesures d'économie drastiques de près d'un million d'euros pour réduire les dépenses et éviter de vous remettre sur le dos des impôts supplémentaires. Pour la ville d'Hier, nous voulons agir dans le même esprit. Parallèlement, il faudra aussi étaler nos investissements dans le temps. Certaines communes ont décidé de supprimer tous les investissements en 2015. C'est une grave erreur que nous ne ferons pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut entretenir le patrimoine municipal et surtout, cela entraînerait des coûts de fonctionnement supplémentaires. Si vous laissez des nids de poules, si vous n'entretenez pas les bâtiments, et bien après ça coûte plus cher au quotidien. C'est comme une maison. Nous investirons donc moins cette année que l'année dernière, mais nous appliquerons notre programme électoral pour lequel nous nous sommes engagés il y a à peine 9 mois, les impôts de notre commune. Les impôts aussi de la communauté d'agglomération. Ils n'augmenteront pas. Mais, malheureusement, vous l'avez vu sur la feuille d'impôt, il y a plusieurs lignes. Alors, les départements n'augmentera pas, sans aucun doute. Calendrier oblige. Mais je veux remercier les élus qui siègent au CIVOM, syndicat intercommunal des ordures ménagères. Nous avons beaucoup bataillé pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de la taxe sur les ordures ménagères, et il n'y en aura pas. En revanche, je ne vais pas me faire un ami ce soir, mais il faut bien qu'il y en ait un à chaque fois. Je désapprouve totalement, et je le dis solennellement devant vous, la décision prévue du syndicat intercommunal de l'aménagement de la rivière, le SIAG, d'augmenter encore cette année leur impôt. Vous le savez, depuis que je suis élu, je suis fier, oui, d'avoir chassé les bétonneurs de notre ville, les bétonneurs, les promoteurs en tout genre. L'urbanisme est strictement encadré ailleurs. Là aussi, je ne laisserai pas détruire tout ce travail que nous avons fait ensemble pour protéger notre cadre de vie et faire en sorte que quand on arrive ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je suis tout un peu mauvaise foi, mais j'ai le sentiment qu'on voit tout de suite qu'on n'est pas dans les autres villes de banlieue. Eh bien ça, nous sommes là pour le défendre. Coûte que coûte, nous ne laisserons pas faire. Au-delà des événements tragiques qui ont endeuillé notre pays, et dont je reparlerai plus tard, le gouvernement n'a pas comblé les suppressions de postes mises en œuvre
Soyons honnêtes, au commissariat de Montgeron, par le précédent gouvernement, qui a scandaleusement supprimé plus de 10 000 policiers et gendarmes. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire fonctionner la police municipale jusqu'à minuit. Et voilà pourquoi nous préparons une police de nuit armée, même si nous ne pourrons pas la mettre pour des raisons budgétaires tout de suite en place. Par ailleurs, nous continuons inlassablement à développer la vidéoprotection, plus de 120 caméras ailleurs, et à supprimer, oui j'assume, les aides facultatives de la ville aux familles de mineurs délinquants. Les résultats sont là. Le taux de délinquance dans notre ville est l'un des plus faibles de l'Essonne et même de la région Île-de-France, avec 34,8 faits constatés pour 1000 habitants en 2014, soit une baisse, merci monsieur le commissaire, merci à notre police municipale, de 4% en 2014. Mais c'est la conséquence très concrète de notre avance avec ces 120 caméras qui dissuadent les auteurs de ces actes. Le quatrième défi dont je veux vous parler est un défi social. Dans une société où le chômage progresse, où la pauvreté l'emporte, une commune, ce n'est pas seulement des chiffres, des dépenses, des impôts, c'est aussi avant tout une âme. La douceur de vivre est notre slogan. Elle doit se manifester au quotidien. Vous le savez, le gouvernement a décidé de fusionner les agglomérations selon un principe, pour lequel je suis d'ailleurs assez sceptique, qui considère que plus c'est gros, mieux ça marche. Moi, je pense au contraire que plus c'est petit, mieux ça marche. Mais bon. Il était prévu, c'est là l'aberration, de nous marier, figurez-vous, avec le Val-de-Seine, nos communes voisines, Montgeron, Vigneux, Draveil, et les portes de l'Essonne. Les portes de l'Essonne qui sont tellement loin qu'on met 1h15 pour y aller. Savigny, Morangis, Athis, Paray-Vieille-Poste et Juvisy. Je n'ai cessé de tenter de convaincre toutes les autorités de renoncer à ce funeste projet pour revenir au bon sens qui est celui de la fusion de l'agglomération du Val-d'Hyères et du Val-de-Seine. Cette nouvelle agglomération serait à l'échelle d'un vrai bassin de vie dans lequel se reconnaîtraient les habitants et dans lequel pourrait s'exercer la démocratie. Pour conclure mon propos sur notre ville, vous le voyez, ce n'est pas parce qu'on aura moins d'argent, c'est une évidence, en 2015 que nous allons nous endormir. Tout au contraire, c'est parce que nous n'avons pas de pétrole que nous avons des idées de l'énergie, selon le slogan qu'on connaissait bien quand nous étions petits. Eh bien, ailleurs, tous ensemble, nous allons faire face et nous releverons les défis. Et je le dis aux conseillers municipaux des jeunes, c'est justement quand c'est plus difficile qu'on se surpasse et qu'on fera mieux, et on le fera tous ensemble. Et puis, j'avais envie de citer cette belle phrase de Kennedy sur les États-Unis. Ce que ne vous posez pas la question de savoir ce que votre ville peut pour vous, mais posez-vous la question de savoir ce que vous pouvez faire pour votre ville. Dimanche dernier, le peuple s'est levé. Maintenant, il est du devoir des élus de la République de fixer le cap, de tracer le chemin et de tout faire pour réconcilier nos concitoyens. Voilà pourquoi, exceptionnellement, en hommage à toutes les victimes de ces actes et pour qu'il n'y en ait plus d'autres, eh bien, je vous invite à conclure nos vœux par une belle Marseillaise. À nos enfants de la patrie.